Aujourd'hui les gars, nous allons jouer à Minecraft, nous allons reprendre la série tant attendue que vous attendiez certainement tous les gens. Là honnêtement les gars, je suis assez KO, je suis vraiment très très fatigué, il est assez tard quand même. Mais malheureusement je tourne tout de même, enfin plutôt heureusement. Pour votre plaisir les gars, il faut savoir les gars que à l'heure actuelle j'ai un très très grand problème de connexion. Mais on essaye de préparer des choses et dès que j'ai de quoi vous balancer, je vous le balance. Mais sinon les gars, alors on se retrouve sur notre survie sur One Piece. On avait continué. Il faut savoir que à l'heure actuelle où lequel je tourne, j'ai l'épisode 1 de la série Hardcore que sur les mêmes modes que j'utilise à l'heure actuelle. Du coup cet épisode là sera bien évidemment avant l'épisode 2, parce que l'épisode 2 il sortira peut-être je sais pas quand, mais pas juste après l'épisode 1 en Hardcore. Et je vous spoil les gars, parce que je pense pas qu'il y aura un épisode 2 de la série Hardcore. C'est parce qu'en fait je suis tout simplement mort en off. Ouais, j'étais en train de farmer et je suis mort. Triste. Mais bon, écoutez, de tous les cas les gars, on a cette série là de côté qui est plutôt pas mal. De ce que je me rappelle, c'est que la dernière fois qu'on s'est arrêté, parce qu'il faut savoir que ça fait quand même assez longtemps, je n'avais pas fait tout ça. Voilà, donc là j'ai fait un très très grand travail de terraforming, c'est-à-dire que j'ai bien terrassé la zone jusqu'à à peu près là-bas. Mais bon, ce sera pas assez, je compte encore terrasser jusqu'à, bref. En tout cas voilà, donc je suis allé jusqu'à là-bas aussi. Là-bas j'ai pas trop touché, c'était déjà plutôt pas mal. Mais voilà, en tout cas j'ai fait ça. Et là j'ai, ici il y avait un espèce de gros cratère d'eau sur du un bloc. Voilà, j'ai donc tout remplacé de l'eau par de la terre. Et je me suis arrangé pour pouvoir accéder, pour pouvoir mettre tous mes stats au niveau 15. Comme ça je peux bénéficier je peux créer mon village tout simplement. Et c'est ce que nous allons faire les gars dans cet épisode là. J'ai aussi augmenté mon fruit au niveau 3, parce que pour ceux qui viennent de découvrir, ou pour ceux qui me découvre à partir de l'épisode 2, eh bien en fait ce que j'ai fait personnellement, c'est que en réalité pour faire cette survie là, pour m'accompagner dans cette survie là, je me suis donc give le OP OP Nomi. Simplement c'est ma survie et je trouve ça beaucoup plus fun de pouvoir avancer avec un OP OP Nomi. Donc c'est un fruit que j'aime très très bien. Peut-être l'un de mes meilleurs fruits dans One Piece hein, tout simplement. Je pense carrément que c'est mon meilleur fruit en vrai de vrai. En vrai de vrai, je sais pas trop. J'ai pas trop de préférence. J'ai pas, on va dire, un meilleur fruit en particulier dans One Piece, mais de toutes les manières. Ça, vous ne aucune colonie trouvée à proximité, vous ne possédez pas le. Tout d'abord poto, j'aimerais juste en fait changer la trajectoire de ce village, parce que en réalité c'est pas très, n'est pas très propre en fait. Attends, on va essayer de le casser. Ah, les gars, c'est encore plus long que l'oxygène. Je n'ai jamais calé le temps pour casser un objet. Ok les gars, c'est bon. Moi je pars sur ça. Bon allez, c'est parti les gars, on va créer notre colonie. Donc là on a enfin créé la colonie. Bon, je pense que ici là on a du boulot à faire ici, on va devoir. Mais bon, nos amis, nos invités vont le faire, les ouvriers de ça. Donc là logiquement là on va avoir comme qui dirait des villageois qui vont pouvoir entrer dans. Bah comment avoir des villageois. On va renommer la colonie, on va l'appeler Wajil. Vous connaissez les bails les gars, on va aussi à rejoindre mon Discord qui se trouve dans la description. Voilà. Et il me faut ça. Là, si je veux évidemment pouvoir créer mon village, mais enfin, mon hôtel de ville. Avant de pouvoir créer mon hôtel de ville, il me faut tout d'abord avoir des ouvriers. Et en fait moi je conçois toujours deux ouvriers au début de village. C'est important d'avoir deux. Ce qu'on va faire les gars, donc c'est comme ça qu'on crée donc une hutte du bâtisseur. Voilà, on va s'en faire deux et on va mettre des portes. Ok, donc c'est parti. On a énormément de choses à faire, mais là pour l'instant ce qu'on va faire aujourd'hui en particulier, ce serait précisément préoccuper de son fruit, donc essayer de l'augmenter au niveau 4 et de débuter les première construction de l'hôtel de ville. Donc là vraiment ce sera pas forcément un épisode trop long, parce que en réalité ce que je compte là où ça va prendre le plus de temps, ce sera plus en hors cam qu'autre chose. Et évidemment les gars, faut aussi évidemment les gars que le développement du village je le ferai plus en solo, parce que je sais très bien que en fait il y a énormément de choses à faire. Si je vous le mettais en vidéo, ce serait plus du One Piece en fait, et ça c'est vraiment pas une blague. Alors comment moi j'aimerais bien pouvoir mettre le bâtisseur ici. Donc là maintenant qu'est-ce qu'on nous dit, vu qu'on a en notre possession une du bâtisseur en construction, eh bien on va pouvoir engager un travailleur parmi les civils que je possède. Donc déjà je vais voir et je peux choisir qui je veux mettre comme ouvrier. Option de construction. Donc là ce qu'il nous faut, donc là déjà les gars, ce qu'il nous faut c'est un fourneau, des planches de chêne, de la pierre, des torches, des dalles d'enchaîne. Okay. On va aller préparer 42 de barrières. Du coup maintenant si on multiplie ça par 2, ça fait 84. Parce qu'on veut quand même aussi viser le. On veut aussi l'accomplir de l'autre côté. Donc, après une fois les gars qu'on aura 2 ouvriers, on va pouvoir tout simplement se baser sur le minage, les bûcherons. Et comme ça on aura du bois en grande quantité et de la pierre en grande quantité. On va pouvoir mettre ça ici les gars. Maintenant je pense que là on est bon. La terre on a mis les tableaux aussi, on a mis bûcherons de chêne, on a mis barrières et nanani. Ok. Maintenant on a juste à laisser faire le kemé et logiquement. Logiquement, tout devrait se faire dans les cordes.
besoin de sécateurs pour continuer à travailler. C'est une dinguerie, poto. Frérot, il y a 2 minutes, il me demandait une cisaille. Maintenant, frère, il me demande directement n'importe quoi. Après, il va peut-être me demander, il va peut-être faire le capricieux comme ce mec là-bas. Oh la baleine, les gars, vous avez vu ce magnifique gameplay? Ça c'est beau parce que ça, tu vois ça, je pensais pas que ça allait arriver dans une vidéo. Moi, ça m'arrivait souvent en solo, mais j'y réagissais pas parce que c'était pas. Enfin. Merci encore, les gars, pour votre soutien que vous me donnez. Évidemment, c'est vrai que ma chaîne a plutôt glow up en termes d'abonnés. Forcément, en vue, c'est toujours le même niveau. Toujours entre les 100 et les 200. À part une vidéo qui a totalement percé. Et ça, vraiment, les gars, c'est, je vous remercie énormément pour ça. Vous devrez construire une cabane de bûcheron ou une mine ainsi qu'une taverne pour loger vos citoyens. Comment on construit une hutte du bûcheron? Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Hop là, donc on a la mine et on veut aussi un bûcheron. On va dormir pour éviter les mobs là, parce que j'ai pas très envie de m'y frotter. Je pense que le mettre ici, c'est plutôt stylé. C'est littéralement validé. Il a carrément une petite rivière pour lui. C'est magnifique, hein. Voilà, là on est bien. Là, il y a toujours un truc comme ça d'écart et ça c'est bien. Voilà, c'est bon en fait. Tout est équipé. Maintenant, c'est fait. Maintenant, voilà, on est bien. On va commencer aussi à pouvoir construire des maisons. Qu'est-ce qu'il nous faudrait là pour pouvoir construire une maison? Escalier et un lit rouge aussi. Comme ça. On va gratter de l'énergie. On va gratter de là. Il y a un bon. Ça a bien XP. Je pense que ça c'est la meilleure technique. Ouais. Y'a pas à dire, les gars, c'est la meilleure solution. Ok, les gars, vraiment là il nous reste pas comme XP. Je pense qu'il y aura pas de technique 4. Oh, on a counter shock, mais pour de vrai, je savais pas en fait qu'on aurait ça. Ouais, non, vraiment, les gars, ça veut dire quoi? Ouais, c'est cheaté. Moi j'aurais bien voulu avoir Gamax Knife, non seulement très rapide à venir, et oh, cheaté frérot, tu l'utilises, ça lâche des 20 dégâts constants pendant extrêmement longtemps. C'est une dinguerie, mais en tout cas, ouais. Ah, j'ai pas d'énergie. Le temps qu'on récupère un petit peu notre énergie, que j'ai à te dire, on va essayer de counter shock. Voilà, là, c'est parfait, là il y a un petit mouton. Alors regardez, oh, les gars, attendez. D'abord faut qu'on en parle, parce que... Les gars, la distance qu'il y a, donc là vraiment on a vraiment une zone. Là enfin on peut commencer à faire des vraies choses. Hop là, j'active counter shock. Il y a un truc qui change. Ça m'a consommé une énergie folle, mais par contre, ça l'a one shot. Après, je sais pas combien de dégâts ça a fait, mais en tout cas, ça one shot un mouton. Là, c'est pas mal. Bon, après, c'est qu'un mouton, tu vois. On aurait pu le tester sur lui, mais je savais pas qu'il était là. Même moyen de passer niveau au niveau 5, les gars. C'est parti, les gars. Go essayer la puissance que... Ouais, on va essayer de l'utiliser contre un kemé tel qu'un ours. On verra bien, en fait, les dégâts que ça va faire. Non, moi, je pense que ça va faire de nombreux dégâts. Je pense qu'il y a même moyen qu'on s'amuse un petit peu. C'est parti. Là-bas, directement, les gars, on a vu l'ours. On va y aller. Hop là, on le met là-haut. Hop là. Des dégâts monstrueux. Hop là, on va utiliser Mess. Merde. Vol. Mess ou... Oh! Les gars, je suis littéralement mort. J'ai pas suggéré en fait. C'était trop stressant. J'ai dû perdre de l'XP du coup. Non, même pas en vrai de vrai. Bon, par contre, c'est vrai que j'ai perdu de que truc. Ours, il a été trop cheaté. Bon, je pensais gérer la situation, mais honnêtement, j'ai pas géré. Par contre, j'ai gagné énormément d'XP et en plus, j'ai même de quoi me refaire un counter shock. J'ai perdu beaucoup d'XP, c'est un peu dommage. Hein. J'en avais quand même 28, je crois. Il me semble que j'en avais 28. On retrouve maintenant à 7 d'XP. Il y a encore moyen d'utiliser un counter shock. Par exemple, si je fais ça, c'est vraiment très. Voilà. C'est vrai que ça consomme, hein, ça fait counter shock. Hein. En même temps, c'est vraiment cheaté aussi. Hein. Bon, sinon, en vrai de vrai, nos maisons commencent à grandir. Ouais, t'es plutôt balèze, toi, comme que mais. Hein. Ta taille, ouais, t'es bien plus grand que moi. Mange beaucoup, toi. Je pense que toi aussi, tu manges beaucoup. Moi, je te regarde déjà, c'est déjà. Oh, quoique. Hein. Moi, je pense que la fille là-bas est plus grande que toi. Hein. Faudrait manger un peu plus, poto. Et go, essayez, les gars, d'atteindre le niveau 5. Vol. Ok. Comme ça. Counter shock. C'est bien ici. Et KO, est-ce que je suis... Pas encore. Ah là, il y a un ours. Go, essaye de... Ah,
Maintenant je pars frère, maintenant je pars. Bientôt les gars, bientôt niveau 5 hein. Une petite base d'énergie, on va pouvoir y aller à fond. Ok. Hop là. Non pas toi, toi. Maintenant je me casse, je sais que j'ai mon niveau 5. Oui je l'ai mon niveau 5, c'est bon.